Donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir des gens comme ça. Sandra Jardonneau, dans notre table numéro 3. J'aimerais juste te demander encore, sur le plan international, comment les autres meneurs voient notre montagne? Est-ce que pour eux tu es l'extraterrestre ou bien est-ce que maintenant ils commencent à se dire que c'est des chevaux sur lesquels on peut foncer et que c'est des chevaux qui vaudraient peut-être la peine d'acquérir pour la compétition? Alors il y a 2 ans en arrière, au concours en Allemagne, on est à la remise des prix, donc on a nos transmontagnes, on y a les autres concurrents, on était 3e, le 4e qui avait des chevaux vraiment énormes et puis que le groom se faisait traîner un petit peu par son cheval. Il me dit qu'est-ce que c'est comme race? Je lui dis des failles derrière, il m'a regardé avec des yeux énormes, mais je dirais aussi énormes que nos chevaux, qui sont extraordinaires. Merci Jérôme.